Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du PSG qui va affronter le Real Madrid pour les huitièmes de finale de la Champions League. Comme d'hab, on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Avant toute chose, n'hésite surtout pas à liker et de t'abonner avec la cloche. Ça reste le plus important. Je compte sur vous les mecs. J'ai envie de vous dire, on est parti pour parler du Paris Saint-Germain qui va affronter le Real Madrid de Karim Benzema. Du coup les gars, qu'est-ce que je pense de cette double confrontation? Du coup les frérots, moi je pense que vraiment c'est le meilleur match déjà des huitièmes de finale. Clairement, tout simplement, car il y a des stars des deux côtés. Mbappé, Neymar, Messi, Benzema, Kroos, etc. Ça va être évidemment compliqué pour les Parisiens, mais on y croit jusqu'au bout. De toute façon, c'est vraiment du 50-50. Voilà, on va pas se mentir, c'est du 50-50. Mais selon moi, actuellement, le Real Madrid n'a pas une meilleure équipe. Voilà, parce que Paris a clairement une meilleure équipe avec Messi, Neymar, Mbappé, etc., etc. Mais au niveau du jeu, au niveau de ce qu'on voit depuis le début de saison, le Real Madrid, j'ai envie de dire, est supérieur au Paris Saint-Germain. Le Real Madrid, pour l'instant, est favori. Mais de toute façon, en deux mois, ça va certainement changer. En deux mois, il peut avoir des blessés comme des retours du côté du PSG et du Real Madrid. Mais voilà, pour le moment, Paris n'est clairement pas favori face au Real. On va voir ça en tout cas dans deux semaines, dans deux mois pardon. Mais voilà, sur ce les gars, dites-moi votre avis en commentaire. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais tirage pour le PSG? J'attends ton avis dans les commentaires. Sur ce les gars, j'ai envie de vous dire à la prochaine. Mais surtout les mecs, abonnez-vous, ça reste le plus important. J'ai envie de vous dire à la prochaine et salut.